Satan ou Iblis. Satan ou Iblis. Ash-Shaytan ou Iblis. Allah le Très-Haut a créé Satan de feu. Le Coran dit: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant lui lorsque je te l'ai ordonné? Satan répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. 12e verset de la sourate Al-A'raf. Le mot arabe shaytan est dérivé de la racine shatana, qui signifie être différent de ou être opposé à. Par conséquent, la nature de Satan est différente de celle des êtres humains. De même, compte tenu de ses mauvaises manières, il est opposé à tout bien. En arabe, toute personne rebelle au bien est appelée un démon, shaytan. Allah qu'il soit glorifié dit: ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi, des démons parmi les hommes et les djinns. Verset 112 de la sourate Les Bestiaux. Satan est l'ennemi déclaré de l'homme. À cause de lui, ses premiers parents, Adam et Ève, furent expulsés du paradis. En effet, il les poussa à désobéir à Allah. De même, il a juré d'égarer la descendance d'Adam. Voilà pourquoi il les tente jour et nuit. Il les séduit afin qu'ils commettent le mal et se détournent du bien afin qu'ils entrent en enfer. Par conséquent, un musulman doit toujours chercher refuge auprès d'Allah contre le mal de Satan. Allah qu'il soit glorifié dit: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend tout et sait tout. Assurément, ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent et les voient là redevenus clairvoyants. Versets 200 et 201 de la sourate Al-A'raf. La personne peut rechercher refuge auprès d'Allah contre Satan en disant: A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Un autre nom de Satan est Iblis. Lorsqu'Allah le Très-Haut créa Adam, sur lui la paix, et ordonna à Iblis ainsi qu'aux anges de se prosterner devant lui, tous se prosternèrent devant lui, excepté Iblis qui déclara par arrogance: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. Verset 76 de la sourate Sad. En guise de châtiment, Allah l'a privé de la compagnie des anges et l'a maudit. Après qu'Iblis fut expulsé du cercle des anges, il jura d'égarer les gens. Il a dit: par ta puissance, je vais tous les égarer, excepté tes serviteurs élus parmi eux. Verset 82 et 83 de sourate Sad.